Bonjour frère et soeur, bienvenue sur ce bord. Comme j'ai galéré pour pouvoir vous faire cette vidéo, vous ne pouvez pas croire. Si je vous explique, non, vous allez tomber en transe. Mais j'ai dû tenir jusqu'à la fin, ne pas abandonner. Et là, là encore, il me reste peu de batterie. Seigneur. Si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est la grâce de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ah, bonjour les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Et que votre famille se porte en merveille. Si c'est le cas, Dieu merci. Dans la parole de Dieu, on entend dire que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Ouais. Il est descendu ici, Jean, venez nous voir sur la terre ici. Et on dit qu'il est en colère, juste, il est en colère. En colère contre qui? Par rapport à quoi? On dit, oh, il est en colère contre Dieu lui-même et tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire toi qui me regardes, qui a été créé à l'image de Dieu, hein? Le diable. Et en colère contre toi, et il veut te manger, il veut te manger cru. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que je l'ai fait? Mais où est-il au juste? Qu'il vienne pour qu'on cause, qu'il vienne pour qu'on communique, qu'il vienne pour qu'on communique, qu'il vienne pour qu'on parle, qu'il vienne me parler ici, là, maintenant, je suis prêt et je l'attends. Mais quand je regarde à gauche et à droite, je ne le vois pas. Mais où est passé le diable? Où est-il passé? Ça, c'est la question que se posent les gens. Où est le diable? On parle du diable tout le temps. Mais il est où? Il est où? Juste où on peut le voir, non? L'attraper pour le cordon d'une manière. Genre, les gens veulent attraper le diable et le montrer de toutes les couleurs. Il y a d'autres qui disent que, ah, pourquoi Jésus-Christ n'est pas allé trouver le diable là-bas pour faire la délivrance? La tête c'est que Jésus-Christ aille trouver le diable chez lui et fait sa délivrance. Ah, mais finalement, on ne voit pas le diable. On ne voit pas le diable. Mais où est-il au juste? Mes frères et sœurs, on ne voit pas le diable physiquement, mais nous tous, on sait qu'il est là. On sait qu'il est là. Et regardez vous-même les hommes et leur comportement. Là, vous allez comprendre que vraiment, le diable est là. Parce que ce que les hommes font aujourd'hui, là, c'est plus grave que ce que le diable est censé faire. Ce que les êtres humains font à d'autres êtres humains, c'est plus grave de ce que le diable est censé nous faire ici, oh. Ouais, le monde est dans les problèmes. Ah! Nous, on peut juste voir les féticheurs et on nous dit que, oh, ce sont des agents du diable. On peut entendre parler des satanistes et des sorciers, on dit, oh, ce sont des agents du diable. Mais une chose est claire, c'est qu'il y a des choses qui nous montrent que le diable nous combat vraiment. Ouais, s'il existe vraiment, il y a des choses qui nous montrent, qui nous combat. Il y a des choses qui sont là, qui sont déjà là devant toi, autour de toi, auprès de toi, hein, qui te montrent que, ouais, le diable te combat. Parce que moi, je suis là ce matin pour vous dire que même si vous ne voyez pas le diable et que vous ne croyez pas à son existence, j'ai mal. J'ai mal quand je vous dis ça, mais il faut que je vous le dise. Le diable existe et il a des plans de combat contre vous. Vous, les saints, les gens saints qui ne lui appartiennent pas. Le diable vous cherche. Le diable te cherche, mon frère. Si tu es un bon gars, hein, genre toi, tu aimes tout le monde, c'est toi le choco. Hey, j'aime tout le monde, j'ai un bon cœur. C'est toi le Père Noël. Ha! Mon ami, sois fort. Ma soeur, sois forte. Parce que le diable a préparé son plan d'attaque contre toi.
Et ça sera déguisé. Ça aura l'air d'une chose succulente, une bonne nourriture, une nourriture succulente. Ou bien du miel. Ça aura l'air d'un jeu. Mais moi, je te dis que le diable t'attaque comme ça. Quand le diable attaque quelqu'un, c'est comme s'il était de parler en parabole. Ouais, c'est comme s'il était en train de parler en parabole. Souvent, vous entendez les gens dire: ah, vous là, vous me mettez des bâtons dans les roues, qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi est-ce que tu veux me venir me mettre du bâton dans les roues? Qu'est-ce qui fait ça? Qui veut lui mettre des bâtons dans les roues? C'est le diable. Mais le diable déguisé en homme, un être humain comme vous et moi. Maintenant, quand vous entendez quelqu'un qui dit: ah, toi là, ne me pas dit ça de ma nourriture. Hein? Faut pas me dire ça de mon achéqué. Quelqu'un parle comme ça, il parle de qui? Il parle des sorciers possédés par le diable. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Toutes les personnes qui vous combattent alors que vous ne les avez rien fait, ces gens-là sont supposés être des représentants du diable. C'est ce que j'avais dit. Que si vous ne voyez pas le diable physiquement, non. Eux là, ce mal-là, c'est présent là. C'est plus que la présence du diable. Parce que la méchanceté a dépassé le niveau. La haine se trouve dans ce monde. La colère se trouve dans ce monde. La division se trouve ici. Les gens ne s'entendent pas, au lieu de s'unir pour faire voler le monde. Non, eux ne sont pas dans ça. Ils préfèrent créer deux parties, deux camps. Un camp à gauche, l'autre à droite. L'autre va dire: oh, moi je suis de droite. L'autre va dire: oh, moi je suis de gauche. Vous êtes en quoi? Vous êtes tous possédés. Ouais, c'est pas de la blague. C'est le diable qui vous fatigue. Les gens sont possédés par le diable et ils ne sont pas au courant. Possédés par le diable, les gens se comportent d'une manière vraiment bizarre. Les gens ne sont plus reconnaissants. Tu leur fais du bien, ils te rendent ça mal. Tu leur fais du bien, ils te font du mal. Ouais, pour que ce soit plus clair. Dès que vous voyez ces signes, que personne ne vous trompe, le diable est là. Et si vous avez remarqué que ça vous arrive beaucoup, c'est que le diable vous cherche et vous combat. Là où tu es prêt à dormir, t'endormir, tu es fatigué. C'est à ce moment-là que quelqu'un va commencer à taper quelque part là-bas, faire du bruit, du manège, non? Toi-même, tu dis: mais ah, qu'est-ce que j'ai même fait, mon ami? Le diable te combat. Si tu ne le vois pas, moi je te dis, il te combat. Prépare-toi aussi au combat.